Hello Tuko, aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous présenter une recette de friandises 100% naturelle. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de bananes, de betteraves séchées et de carottes. On va commencer par couper et écraser la banane, après dedans on va rajouter la betterave séchée et on va laisser agir pour que la banane prenne bien la couleur de la betterave. Et on se munit d'un truc pour râper les carottes ou d'un petit hachoir électrique pour faire des carottes râpées pour que ce soit vraiment hyper fin. Donc personnellement moi j'utilise environ 2 carottes mais j'ai un peu galéré. Après ça on n'a plus qu'à réunir les deux préparations et à mélanger. Normalement la pâte devrait avoir une couleur rose puisque la betterave la colore. On se munit d'une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé juste après avoir préchauffé le four à 180 et donc on va former des petits cœurs, enfin la forme n'a pas du tout d'importance, c'est juste comme je voulais faire des friandises pour la Saint-Valentin. Faut pas hésiter à bien compresser la pâte pour que tout reste bien lié. Une fois que nos friandises sont formées, on n'a plus qu'à enfourner, donc personnellement j'ai laissé 1 heure à 180. Et une fois que la cuisson au four est terminée, personnellement comme elles étaient encore vraiment molles, je les ai mis 3 jours sur le radiateur et après elles avaient une texture parfaite. Je pense que si vous les mettez pas dans le four, ça peut aussi marcher. On passe à la dégustation, ils ont vraiment tous aimé, du coup j'étais plutôt contente, je les ai juste coupés en plus petits bouts parce que j'avais pas assez de friandises pour en donner à tous. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si c'est le cas.